Coucou et bienvenue à tous pour cette vidéo. Juste en suivant Rocket, nous allons voir les nouveaux héros de Pâques. Avec un nouveau héros, un costume, un autre héros et un costume. Ok, donc nous avons deux nouveaux héros et deux costumes. Alors on va commencer par les costumes. Costume qui donne du coup 15-15-25, donc des stats qui sont quand même plus sympas. Et vu que eux avaient des stats qui étaient pas si moches, vu qu'ils datent de l'année dernière à peine. Le bonus de costume, bien que plus faible que certains, est efficace. On rappelle que de base, ce petit Mister Jasper qui est lent, il restaure grosso modo 1400 PV sur 6 tours, donne plus 50% d'attaque et de chance de coup critique, et moins 5 de génération de mana pour 4 tours, juste pour le lanceur. On rappelle que la famille de ma famille qui est offensive, gardien qui sont 2 ont plus 10 attaques, ils sont 3, ils ont plus 20. Son costume, du coup, il passe à moine, ce qui fait qu'il passe en scrogne, en situé tout seul en attaque de ruée, et ça peut être sympa. Tu perds en attaque et tu gagnes en défense en PV, et vu que t'es quelqu'un de lent, c'est ce qu'on veut, donc c'est plutôt bien. Alors, plus 4450 PV sur 5 tours. Plus 60% d'attaque sur 5 tours, donc critique sur 5 tours, le lanceur moins 5 sur 5 tours. Ok, donc là c'était ça durait 6 tours et le effet négatif 4 tours. Là maintenant, tout dure 5 tours, mais c'est plus efficace. Est-ce que c'est bien? En termes de PV, oui, parce que du coup, il régénère plus rapidement. Donc, c'est cool. En héros titan, bah, il est encore mieux, parce que du coup, c'est 10% d'attaque de plus qu'il donne et 10% de critique de plus qu'il donne. Donc, héros titan, c'est encore mieux. Et des buffs de mana, bah, en soi, même s'il a. Déjà, rien que le costume, il est entre guillemets annulé. Mais en plus, comme il est moine, ça va être encore plus facilement annulable, si je puis dire. Donc, en fait, c'est pas si mal. Il est pas si mal. Après, le problème, c'est que dans les raids, un debuff et il devient totalement inutile. Mais sinon, en titan, ou en bouture de bonus, si on le joue bien, il peut être très très bien. Il peut être très très bien. Il est à la une en plus, donc on peut en profiter. Ensuite, l'autre costume, nous avons Archie. Archie qui, on rappelle, bah maintenant 1000 d'attaque, 950 de défense et 1750 PV. Qui en rapide fait 250 dégâts sur tout le monde et les ennemis ne peuvent pas recevoir de nouveaux bonus pour 4 tours et subissent 150 points de dégâts à chaque fois qu'ils essayent. Et lui, il a moins 10 de précision. Son costume passe de druide, donc la même réflexion. Attaque de ruée, il peut passer aisément du coup ben, en 7 tuiles. Donc c'est cool. Tes stats ne changent pas. Donc rien à dire. Alors là, CS, tu fais 10% de dégâts de moins. Les ennemis ne peuvent pas recevoir d'effet bloqué. Nanana. Par contre, ils subissent 300 points de dégâts chaque fois qu'ils essayent de se mettre un bonus au lieu des 150. Et le toujours moins 10 de précision pendant 4 tours. Ça change pas. Ben, moi je dis oui, parce que perdre 10% de dégâts sur un CS, c'est pas si catastrophique pour doubler les dégâts que faisait le truc avant. Là, par contre, il y a très clairement plus-value. Franchement, moi je dis oui. Il va être beaucoup plus bien en plus de bonus. Vraiment beaucoup plus. Parce que moi, si 150, genre ça craint, mais ça va. Mais là, par contre, 300, ça commence à piquer. Ça commence à piquer. Plus, ça dit bien pour chaque bonus qu'il leur est conféré. Donc, il suffit qu'on ait une CS qui confère 2 bonus. Bah, du coup, ça fait 600 dégâts. Ça monte vite. Hein. Donc, non, c'est pas mal. C'est très très bien. Ensuite, bah, ils sont à la une, du coup on va juste cliquer. Nous avons Miss Ethel, une espèce de vache guerrière vénère, qui est de classe combattante. Du coup, elle peut ressusciter avec ses 1010 d'attaque, 950 de défense et 1820 PV. Vitesse moyenne. 600% de dégâts à la cible. Ça va faire mal. Si la cible avait plus de 40% de PV, avant de subir des dégâts, la bande spéciale cible
un autre ennemi qui avait plus de 40% de PV avant de subir les dégâts. Si aucun des ennemis autres n'avait plus de 40% de PV, le combat spécial cible un ennemi aléatoire. Les dégâts diminuent à chaque coup consécutif. Chaque ennemi ne peut être frappé qu'une seule fois. Le lanceur reçoit ensuite moins 15 de génération de mana, effet non purifiable. Ça peut être mortel quand même. Donc le premier va prendre très très cher. À voir à quel point les dégâts sont diminués après chaque coup consécutif. Si divisé par 2, genre le second coup passe 300%, ça va pas être si intéressant. Mais si à chaque fois c'est réduit de 100%, genre 600, deuxième coup 500, troisième coup 400, etc. Là par contre, ça peut devenir intéressant. Donc, je trouve qu'elle peut être sympa, mais sous condition. Il faut voir à quel point les dégâts sont réduits. S'ils sont pas si tellement réduits que ça, elle va être une plaie. Hein. Elle va être une plaie, 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 plaie. Mais là, par contre, l'effet négatif, il va être quand même assez handicapant. Ce qui fait que la première fois qu'on va le jouer, elle pourra être en 9 tuiles. Par contre, la deuxième fois, bah, elle va repasser en 10 tuiles. Sauf si boost de mana y a lieu, avec un effet positif ou autre. Mais là, par contre, c'est vrai que c'est un peu handicapant, son effet négatif. Mais à voir. Mais en tout cas, elle va faire mal. Et à voir. À voir, à voir. En booster de bonus. Pourquoi pas? Attaque de ruée, pourquoi pas? À voir, encore une fois. Bataille sanglante, elle peut être très bien. Voilà, elle est sympa. Petite bourrine. Assez simple à comprendre. Nous avons Timothy, le petit cochon, petit voyou qui peut esquiver avec ses 980 d'attaque, 990 de défense et 1820 PV. D'ailleurs, en train de capter, j'ai même pas vu les stats en limite limite. Toi, t'as une santé qui est boostée. Tac, tac, où est-ce qu'il est l'autre individu en costume? Toi, tu as une. Oh, boost de compétences spéciales. Ben, c'est parfait. Ça vient compenser le fait que tu perds la 10 ici. Vraiment nickel. Toi, tu as plus d'attaque, donc tu vas vraiment faire très très mal. Et du coup, toi, tu vas avoir une augmentation de soins, plus 50% de soins pour 6 tours, avec 1320, 1990 et 2460. Soif d'aventure. Booste la santé de tous les alliés de 560. Santé max peut être dépassée. Pendant 3 tours, genre que tu es de vitesse moyenne. Tous les alliés reçoivent plus 1% d'attaque et 10% de plus chaque fois qu'un allié utilise sa compétence spéciale jusqu'à un maximum de soins plus 70. Lanceur sur moins 20 de défense pendant 3 tours, effet non purifiable. Donc on a affaire ici à quelqu'un qui booste la santé de façon conséquente. Pour une vitesse moyenne, c'est très bien ce qu'il fait. Et qui augmente l'attaque. En soi, ça peut facilement s'augmenter plus. Mais le problème, c'est que ça dure que 3 tours. Donc, pour peu que c'est que au deuxième tour que vous utilisez, j'ai une bêtise, 2 CS. Du coup, troisième tour, plus 40% d'attaque, c'est là du coup que les dégâts vont devenir intéressants. Bah, il reste plus qu'un tour. Donc, ciao. Donc, je suis un peu mitigé. Sauf si on attend volontairement de jouer des CS après. Genre, par exemple, si on a 3 rouges et 2 bleus que Timothée là-dedans. On joue au premier, puis les deux autres rouges y jouent, les auront de suite plus 40 d'attaque. Là oui. Mais je suis pas 100% convaincu. Enfin, il y a Boltusk de la saison 4. Bon, hormis le fait qu'il y a des stats qui sont beaucoup moins élevées, mais à peu de choses près, il fait le même taf. Bon, c'est pas du boost, sauf son costume, qui est un tour par tour, mais. Son gir augmentation d'attaque qui est conséquente et directe, Boltusk, il fait très bien le taf par exemple. Alors que là, il fait un bon son vitesse moyen, ça, il n'y a pas photo. Mais voilà. À voir. À voir, à voir. Parce que le moins 20 de défense, ça peut être quand même assez handicapant par contre. Donc je suis pas convaincu.
Elle m'intéresse, donc à voir, pourquoi pas. Lui m'intéresse beaucoup pour les Titan. Ben voilà, par rapport au 02. Oh, Hero de Pack. Est-ce qu'ils ont actualisé avec les nouveaux? Alors, ça, non, c'était comme d'habitude. Non. Bon, ni plus ni moins. Ben écoutez, à très vite et ciao ciao!